Yo, salut à tous les amis, c'est Dims et on se retrouve pour une nouvelle vidéo de zombies. Je vous ai préparé un petit montage de tout ce qui m'est arrivé sur dépôt parce qu'en une centaine de parties, je pense j'ai bien dû faire sans essai avant de faire que 43 manches. Je veux dire que, mais 43 manches c'est quand même pas mal depuis la mise à jour. Je sais pas si vous savez, mais les zombies de Black Ops 2 en général est devenu plus chaud, pas seulement le dépôt, mais surtout le dépôt parce que ça se joue à deux baffes quoi. Donc là vous voyez, double baff, bam bam, rien à faire. Je suis habitué à sortir de cette pièce à la manche 3. Et quand il y a un zombie qui vous met deux baffes aussi rapidement, bah vous ne pouvez rien faire. Donc le petit montage représente toutes les plus vilaines choses, mais aussi toutes les meilleures. Là par exemple, manche 4, il me reste 3000, je fais 3 boîtes. Et je vous montre l'équipement nécessaire pour faire la map dépôt. D'abord la chicom, ensuite les singes, et pour finir, qu'est-ce que je vais avoir? La surprise, ça va être un petit Raygun, le petit laser. En 3 boîtes comme ça, manche 4, je suis déjà équipé, prêt pour runner. Bon, la chicom, il y en a pas mal qui comprennent pas pourquoi je prends ça, mais c'est pour courir plus vite et marcher plus vite. Alors, la plus belle esquive que j'ai fait sur ce putain de dépôt, vous voyez la ligne de zombies, j'ai checké en serrant la droite, checké ma manette, c'est passé un truc de ouf. Alors ça fait partie du pire. Arrivé manche 22, j'étais en train de finir les zombies avec un vieux M1216, je me suis pris un truc derrière, voilà, bim, bam, boum, je suis mort. Bon, qu'est-ce qui va se passer maintenant, moi, Joanne? Si je me souviens plus trop, je suis en train de regarder la vidéo en même temps que vous. Alors ça, je vous présente déjà la manière de paquer sans singe, la plus simple. Vous tournez ici, en fait, derrière les panneaux avec la tête de mort dans le brouillard. Ensuite, vous rentrez à l'intérieur. Et normalement, il y a très peu de zombies qui spawnent à l'intérieur. Normalement, il n'y en a pas. Si vous dépassez les panneaux tête de mort, bon, c'est possible qu'il y ait quelques zombies qui spawnent à l'intérieur, comme c'est arrivé cette fois-ci. Donc cette stratégie-là est assez compliquée quand même. Je préfère paquer avec les singes. Mais dans le hautement, je ne pense pas utiliser de singes. Je fais cette stratégie une fois. Après, bon, on peut faire ça tout le temps. Tuer les zombies tout le temps derrière le panneau tête de mort, là, dans le brouillard. Et ouais, c'est quand même assez compliqué. Avant, c'était plus facile avant la mise à jour. Mais bon, ça reste faisable. Donc cette stratégie, je crois que le mec qui a fait 55 manches, celui qui a le record mondial sur dépôt, 6 Warriors, a fait comme ça. Le deuxième meilleur score mondial, c'est Steve qui l'a. Steve, meilleur joueur du monde. Ça, je ne vous le cache pas. Bien meilleur que moi, ça, y a pas de doute. Alors, ça va être sûrement un petit fail de singe. Mais je prends les munes. Et je viens juste de lancer un singe, mais les zombies, 2-3 zombies ne sont pas tirés par le singe. Alors là, je me dis, bon, c'est la folie, fin de partie. En plus, il y a le zombie qui sort du sol, il me bloque, je peux pas repartir. Et j'arrive quand même à m'en tirer sans prendre de baffe. J'ai juste pris une petite éclaboussure de feu qui explose. Donc là, je vous montre maintenant la deuxième meilleure stratégie pour paquer les zombies. J'attends le début de manche, bien sagement. Je prends mon singe en main, mais il faut savoir que les singes, même si vous les lancez pas dans la lave, ils sont incertains. Encore plus sur cette map que sur d'autres, vous voyez. Je fais confiance en mon singe, mais mon singe n'a pas marché. Alors celui-là, peut-être que je l'ai lancé dans la petite lave au fond. C'est vraiment pas sûr que ça soit vraiment un fail de singe. Mais je peux vous garantir que j'en ai eu pas mal de fails de singe. Alors, par exemple, celui-là, je lance un premier singe. Je lance un deuxième singe. On va même en lancer un troisième pour la sécurité. Vous voyez qu'il y a des zombies entre les deux singes qui sont attirés par moi. Bon, je prends les mules, mais là, le singe, normalement, est censé être toujours actif. Là, toujours. Et non, il y a quand même un zombie qui vient me bouffer sur la gauche et met une putain de baffe. Ça vénère, surtout quand vous arrivez dans les 30. Là, maintenant, 38. Alors, faut savoir, j'ai fait 38, 41, mais 41, j'étais en train de livestream, donc j'étais pas en train de record avec mon HDPVR. Du coup, j'ai pas la mort de la 41. J'étais assez énervé quand je suis mort. Alors, cette mort est assez bête simplement parce que je regardais pas le nombre de balles que j'avais dans ma chicom. Il me restait que 5 balles. J'ai tiré mes dernières rafales. Et ensuite, il y a des zombies qui sont sortis de la fumée. Là, j'ai balancé la manette par terre. C'est pour ça que vous avez vu un petit veuillez reconnecter la manette. Et là, ma fameuse mort à la 43 que vous avez déjà vu, j'ai ragé. Je suis passé à côté des munes. Normalement, je dois prendre les munes. Je dois m'en aller. Et voilà, là vu que j'ai pas pris les munes, j'ai relancé un deuxième singe, je suis parti reprendre les munes, mais au moment où j'ai repris les munes, je me suis fait baiser. Bon, 15e dans le classement, sachant qu'il y a deux tricheurs devant moi, c'est pas mal. Mais il y a quand même pas mal de gens qui ont eu leur score reset sur dépôt. Je pense notamment à Dave qui a fait 45 ou 46, JJ aussi qui a fait plus de 45, après je suis pas vraiment 15e mondial. Donc là... Maintenant, je vais repréparer un speedrun sur dépôt. Bon, c'est pas, il y a moyen de faire plus rapide,
Mais voilà, c'est, je vous montre comment je fais pour arriver jusqu'à la manche 30 en 50 minutes. En fait, ma technique, c'est vraiment de bourriner, d'y aller comme un porc jusqu'à la 30. Et à partir de la 30, je commence à jouer ma vie, comme vous l'avez vu dans mes deuxième, troisième, quatrième et cinquième parties de live sur cette map des pauvres. Moi, je commence toujours à l'intérieur jusqu'à la manche, jusqu'à la fin de la 3. Bon, si je vois que c'est trop le bordel, je me casse. Alors, il y a plusieurs façons de tourner sur cette map, même en bourrinant, il y a plusieurs façons de faire jusqu'à la 30. Déjà, vous savez que vous pouvez lancer un singe au début de chaque manche. Normalement, vous aurez toujours des munitions et vous aurez toujours des singes. Souvent des munitions dans les petites manches. Après, il y en a qui tournent à la lave. Moi, j'ai fait partie pendant un moment de ceux qui tournaient à la lave, mais trop de fail. La lave, en fait, c'est l'endroit où vous avez la boîte là, quand vous allez vers la gauche, en fait, quand vous sortez du dépôt. Et voilà, cet endroit, c'est quand même plus chaud de tourner, surtout depuis la mise à jour. Maintenant, je préfère l'autre endroit. Plus aléatoire, en fait, l'autre endroit est plus aléatoire. Il faut regarder tout autour de vous, les spawns de zombies sont tout autour, alors que quand vous tournez à la lave, vous n'avez qu'à guetter à 180 degrés. Bon, mais je vais vous laisser maintenant pour la fin de partie. Je vais pas commenter 30, enfin non, 53 minutes même de live à me regarder jouer. Le plus intéressant, c'était surtout le début. Après, bon, il y en a qui regarderont la suite, il y en a qui regarderont pas. Peu importe. J'espère que vous avez kiffé cette petite vidéo avec toutes ces aventures sur dépôt. Bon, merci encore d'une fois d'être fidèle sur ma chaîne. Allez, ciao ciao, bye bye.
pas Fun boy. moi. Bon, de toute façon, il y a Dim. Bah vas-y, de qui? Ouais, mais à cause de qui? Ouais, même pas, jamais demandé de venir, c'est les gens qui me disent de venir dessus. Hein. Ouais, mais pour des gens comme moi qui peuvent pas. Mieux d'être sur ouais, un les live. Gars. Ouais, mais je sais pas, c'est pas notre foot si tu peux pas, gros. Ouais, mais si je peux, mais ça sert à quoi? Bah non, j'ai juste mon ordi. Non, j'ai pas d'ordi comme ça, j'ai un ordi en bas. Bah oui, heureusement. Bah non, j'ai que mon triton. Triton! Oh, puis même, m'en fous, c'est pas. Je fais pas des embrouilles, qu'est-ce que je fais moi? Ouais, mais de toute façon c'est du passé, je m'en fous. Je pleure pas pour ça, moi. Mais pourquoi t'as fait des comptes alors, gros? Bah, je pleure, on rigole, ma foi, je m'en fous. Je me mets le mini-master. Je me mets le mini-master. Et au moins dans la prochaine partie. C'est quoi cette blague? Bref. On se mire que t'es là? En même temps, j'ai eu le temps de voir qui était fanboy ou pas. Elle a dit que t'étais pas fait rentrer. Ça dit non, bien fanboy. Oui, mais bien sûr, mais tu fermes ta gueule, c'est tout. Ce qu'elle a dit, moi, je sais pas. Ouais. C'est pas vrai, c'est pas vrai, merde. Gamer. Mais quelqu'un veut partir ensemble ou tu veux pas? C'est plutôt moi, fanboy, fada. Partie de quoi? Que tu veux. Ça va et tout. Attends, je vais enlever Mumble. Ouais, mais Mumble, voilà, ça m'intéresse pas. Enfin, vous pouvez rester. Le D-Box. Ça merde gros si ça t'intéresse toi. Ouais mais ça fait chier. Bah c'est ah oui, de moi. La merde. Dis pas que c'est de la merde alors. Non j'ai pas dit que c'est de la merde, j'ai dit que c'est de la merde. Ah voilà, j'ai dit que c'est de la merde. Oui mais je me suis mal exprimé, c'est tout. C'est de la merde. Mais tout le monde y va, c'est... enfin voilà. Je sais pas, j'ai même pas la conscience s'il te plaît. Parce que c'est bien. Lancer de la ligue. Ouais. Faut trouver un joueur. Bah invitez-moi. Je suis vert. Tout à l'heure j'étais en zombie et je sais pas, j'ai dû appuyer trop fort sur la palette de ma scuff et il y a plus le petit clic clic quand j'appuie. Lance pas et Clem il va venir. Mais elle marche toujours. De quoi Clem, vas-y invite gamer. J'ai plus que ça. Mon autre manette, le joystick, je peux pas courir. Mais moi toutes mes manettes. Bah du coup maintenant je vais racheter une deuxième scuff. Bah ça va faire le temps que ça fera là comme ça là. Et genre, toutes mes manettes. Mais c'est quoi qui est piqué, c'est la palette derrière. Mais non genre écoute. T'entends clic là. Ouais. Eh ben l'autre a fait plus clic mais elle marche. Mais c'est quoi qui fait plus.